Bon, du coup, les amis, je vous présente, du coup. Je vous présente. Attendez que je fasse pas le con. L'avenir du gaming. Ah ouais, celui-là. Voilà. Ouais, je vous le montre aussi, hein, l'avenir du gaming, ça ressemble à ça. Oui, bon... Et... Bon, l'interface, elle paye pas de mine, mais c'est incroyable. Hein. Moi, je suis content. Oh là là, les effets sur la lumière. Ok. Des shaders, les gars, des shaders. Salut YouTube, pardon, j'ai oublié de dire bonjour à YouTube, salut YouTube. Je crois que tu montrais Synergie, mais tu montres les shaders. Bonjour YouTube. Ah ouais, non, bah non, là je montre les shaders, parce que ça, c'est l'avenir du gaming. Ah ouais. Synergie, c'est l'avenir de la bureautique. Bon, du coup, YouTube, non, mais... nouveau PC là. Ouais. Nouveau PC, donc le son est un peu différent, mais par contre, maintenant on est une machine qui déboîte et on fait quoi? Nous on joue à Minecraft, il y a quoi 3080, les derniers processeurs AMD, on fait quoi là? Non, les sondages n'apparaissent plus sur le live. Putain, oui, d'accord. Ah, attendez. Les sondages n'apparaissent plus sur le live parce que je trouvais que ça, on voyait pas si bien que ça. Ça spammait. Et du coup, je vous brief quand même. J'ai installé le pack de Quentin, mais je lui ai demandé de mettre des sons différents. En fait, il y avait un pack de sons que je voulais absolument tester. Et du coup, il a pris la peine de mettre les sons sur son texture pack. Et donc, on va voir ce que ça donne. Dodo, please. Bon, par contre, vous m'excusez. Alors, je préviens YouTube. J'ai pas eu le temps de manger YouTube, donc je vais grignoter un petit peu. J'espère que tu m'en veux pas. En vrai, j'ai quasiment pas mangé ce midi non plus. Ah oui, ok. Réponse sondage Tensa. Non, je réponds pas. Je vais me faire virer. Ok. Waouh, la montée était limite là. Allez vous coucher. Ouais. Yep. Allez, plus que deux. Plus qu'un. Mais pourquoi tu me parles de pack avec le diable depuis tout à l'heure, Blocus là? Contre de l'argent, mais non. On sait c'est quoi sa réponse? Bah non, je peux pas choisir. Le scan marche pas. Ah oui, pardon, ouais. Bah ouais, attendez. C'est vrai que ça, j'ai pas lancé, pardon. Excusez-moi, j'étais tellement dans l'euphorie de lancer, là. Normalement, c'est censé fonctionner. Attendez. Il est où le Lioran, là? Parce que là, du coup, je vous explique. Hein, vu que mon PC... Ah ouais, mais je l'ai pas installé. Ouais, je suis désolé. Qui c'est LG1? Bah LG1, je te le ferai quand j'aurai réparé ça. Je désactive pour l'instant. Y a toujours pas, c'est toujours pas dodo là? Voilà, je désactive. J'ai un peu lancé à la hâte aussi le stream, je suis désolé. Mais j'avais pas trop le choix. Tac, ok. Même là, la caméra elle est un peu... Je pourrais mieux la régler que ça en vrai. Je crois qu'il y a un peu trop de... Deux personnes pour faire passer la nuit s'il vous plaît. Ouais, bon, ça change pas. Après, ouais, alors là, c'est peut-être pas la caméra, c'est peut-être l'éclairage global. C'est vrai que du coup, j'ai changé ma position aussi dans ma pièce. Je suis pas placé de la même manière, donc du coup, c'est possible que l'éclairage ne soit pas parfait. Ok. Alors. Ah, c'est bon. Ok, leave bed. Oh là 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 là. Ok, je vois les noms à travers les murs. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Non, je veux pas de pacte avec le diable, laisse-moi tranquille. Alors. Ah ouais, d'accord. J'ai ajouté un peu de contraste à la capture. Je sais plus c'est quoi qui fait ça. Attends. Okay, c'est Cactus qui s'amuse avec ses élytras depuis le début là. Mais alors c'est quoi qui fait ce bruit? Dormir, il survolait la maison là. Oh putain, ah ouais. Merde. Je sais plus c'est quel mob qui fait ça. C'est quoi? Ah mais oui, c'est mes villageois. Chui. Putain, mais c'est hyper Attends, fort. T'as pris le pack, tu peux baisser Chui. Ça dans les options. T'as pris le pack de Quentin du coup? Ouais, j'ai pris le pack de Quentin, mais il a mis les sons que je lui ai demandé. Chui. Quoi, il t'a fait un custom? Chui. Ah non, il a juste rajouté les sons. Attends, du coup c'est friendly. Les villageois, c'est friendly créature, c'est ça? Chui. Oh, merci beaucoup Exébile. Oui. Chui. Oh là, toi.
j'ai vu ça. Ça se stack pas, putain, quelle merde. Ah, je pense que si tu demandes à Quentin, il te le filera. En vrai, c'est des sons un peu mêmes qui ont été rajoutés. Genre là, j'ai les... Oh putain. Ah oui, du coup, les creepers, mec, j'ai... Explosion. Oh, nice. Explosion. Et là, du coup, Blocus, il en a tué un. Et ça a fait bomb diffuse. Excellent. Excellent, excellent. Putain, ça me fait bizarre. Ma maison, là, j'ai l'impression elle est pas éclairée, quoi. Ok. Bon, vas-y, on se casse, là. Les villageois, ils me saoulent. Ils me saoulent, ils me saoulent. Oh, merde. Alors oui, du coup, c'est vrai, peut-être que YouTube a pas suivi. Normal, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas joué à Minecraft. Mais du coup, ça a pas mal avancé. Moi, niveau stuff, je suis plutôt bien. Il me manque quelques petits trucs, là. J'ai des élytras. Et les outils, j'ai que la pioche en netherite, mais ça va venir le reste. Ça va venir. Salut Victorieuse. De quoi quelle surprise. Mais qu'est-ce. Vas-y, c'est bon, donne-moi. Vas-y. Mais putain. Ouais. Ok, bon, super. En gros, je meurs jamais, quoi. Je meurs jamais avec ça, c'est bon. Ok, ah ouais, vraiment. Ah, c'est... J'aime bien le pack, mais par contre, ça là, les trucs de gazon comme ça, moi je j'aime pas. Je sais pas vous, mais. Quand la terre. Tu peux désactiver ça. Bah, je fais comment ? Tu peux désactiver dans les options du jeu. Il y a des nouvelles options avec Optifine et c'est désactivable. Alors attends, options, vidéo settings, je suppose. Options graphiques. Ah oui, toi t'es en anglais aussi, merde. Pardon, désolé, excusez-moi, messire. C'est dans Details, du coup, et c'est. Bloc alternatif. Non, c'est pas ça. Alternet block. Non, c'est pas ça. Regarde le front de Tensa. Mais quoi ? Mais quoi ? Oui, bah j'ai un front énorme. Et alors ? Je vous emmerde. Les bâtards. Je vais faire comme votre cas. De toute façon, vous inquiétez pas, ça va venir un jour. Ah. T'as vu ou pas ? Il est allé en Turquie. Ça se voit. En fait, il a direct en début de vidéo, il a dit oui, bon, je sais, vous allez le dire. Voilà, regardez bien autour, c'est bon, vous avez bien vu. Voilà, je suis allé en Turquie. Aïe, aïe, aïe. Bon, en vrai, pourquoi pas, hein. Ça nous permet de voir si c'est une bonne chose. Vas-y, c'est ça, balance-moi plein d'XP, nickel. Attends, qu'est-ce qu'il me dit, Quentin ? Viens écouter. Non, mais attends, ils veulent me spoil là. Qu'est-ce qu'il y a ? Ils veulent te spoil. Oui, le son, oui, c'est bon. C'est bon, allez, ta gueule. Je me casse. C'est moi tranquille. oui, j'irai voir le film Camelot. Ah d'ailleurs, je préfère prévenir. Je l'ai pas encore vu. Donc c'est pour les modos, ça. Spoil ou faux spoil sur Camelot, c'est ban direct. Ban def. Ouais, ban def. Même faux spoil, attention. Un faux spoil. De toute façon, un faux spoil est un vrai spoil. Bah ouais, puisque comme la personne qui le regarde le sait pas, elle peut pas savoir si c'est un vrai ou un faux, donc niquez-vous. Et puis en plus... Et du coup, la personne qui dit c'est un... Bah non, en fait, c'est faux, bah du coup... Bah tu sais que la chose qui est là va pas arriver, quoi. Donc t'es quand même en courant d'un truc qui sera pas là. Donc voilà. Non, même si Molo il spoil, bah c'est ban def pour Molo. Voilà. Mais Molo, il est pas con comme vous. Clairement. Non, bah non. Eh franchement, votre maison, elle est grave cool, hein. Mais comme... Votre maison est grave cool là, avec la toiture en gazon, franchement, c'est lourd de ouf. Ouais. Mais ça, c'est EOS qui a tout fait, ça. Du coup, quand je tombe, j'ai un bruit de Roblox, du coup. Ah, mais non, je me suis fait rattraper par ça. Ok, attends. Excellent. Mais pourquoi on n'a pas un inventaire plus grand là, putain. Mais normalement bientôt il y aura les sacs. On va pouvoir se faire des sacoches. Ouais, mais ils sont buggés, un peu glitch. On peut dupliquer avec pour l'instant. Non, j'ai pas activé les scans, Serzen, parce que du coup en fait le logiciel qui permettait de faire les scans était installé sur un des disques durs que j'ai transféré. Et j'ai pas eu le temps de réinstaller. Je me suis vraiment focus sur l'essentiel pour faire tourner un stream. Donc sorry. Oh putain, je reconnais pas la map. C'est là ici. Enfin, je sais où je suis, tu vois, mais c'est méconnaissable, quoi. C'est fou. Et attendez, je vais aller regarder la banque. Ouais, c'est vrai que du coup, attends, pour YouTube, allez. YouTube, j'ai fini la banque. Bon, faut que je mette des privates pour que ça soit mieux. L'éclairage est pas ouf. Il y en a un qui est mort. Voilà, la petite banque sympa, c'est une banque de ressources. Bon, pour l'instant, c'est un peu vide. Mais ça servira pour les projets du serveur. Ensuite, j'ai fait des petits enclos. Des petits enclos ici. Voilà. Les vaches, les moutons. Il y a tout. Les petites poules et il y a un cochon célibataire.
Ici, le pont. Je sais pas si je l'avais montré en stream, ça, le pont. Oh, les reflets. Ah ouais, bon, c'est pas du, non plus du RTX, mais quand même, c'est propre. Ah ouais, non, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Le pont. Hop, les. Le pont visible en dessous. On peut y aller en dessous. Viens voir la forêt des creepers. Ça. J'ai peur d'y aller, du coup, tu m'inquiètes. Ok, bah, tout le monde qui se prend des dégâts. Non, y a pas de creeper. C'est juste le nom de leur clan, en fait. Attendez, moi j'ai un écran noir là. Ok, mon écran il était devenu noir, du coup je pouvais. Mais sur le stream c'était ok. Ok. Petit accès, voilà, tranquille. Ah ouais, c'est tellement plus beau. Alright. Han Solo meurt, putain. Bah, je vais te ban def en fait, Eos. Les sacs sont inutiles. Ah, bon bah sinon, au pire, t'as des shulkers, Molo, si jamais. Ouais. Ok. Ah putain, ouais, c'est beau. Franchement, c'est beau. C'est beau. Donc du coup, ah oui aussi. YouTube, regarde. Ah ouais, là, faut pas sauter au niveau du train. Mais regarde YouTube. Le projet que j'avais dit que je ferais un jour, c'est en gros, bah voilà, une crevasse. La crevasse, là, on l'a creusée comme il faut. Je suis en train de faire un poil. Quoi? Attends, c'était quoi ça? Attends, je vais télécharger le pack. j'ai envie d'entendre. Vas-y. Les mêmes choses que toi là. En fait, je crois que c'est une araignée. Je crois qu'on a entendu une araignée. Parce que du coup, c'est le mec qui dit je suis Spider-Man, fils de pute. Mais il a dit une autre phrase. Du coup, je pense que ça doit être un autre son. Si tu mets la citrouille sur ta tête, je te donne des diams. Allez, attends, tu sais quoi? Il n'y a pas le feu même. Attends. Hop. Voilà. Voilà, tiens. Oh, nique ta mère. Bon bah vas-y, hein, garde l'un. Ok. Oh merci Neos pour le raid. Ouh. Ah. Alors du coup je renomme ton pack Quentin Hérode 1.17 complet drôle édition. Entre parenthèses, pas édité par l'auteur. Mais c'est quoi ça, ces particules? Mais c'est insane, trop bien. Attendez. Poule. Oh, il s'est fait toucher, je croyais que c'était moi. Ok. Ouais. Merci, Kiglir. Merci pour ton resub de 28 mois. Ah, j'ai pas le text-to-speech, je suis désolé, mais... Ouais, je vous êtes qui? Bah, salut. Je suis en train de faire un poil, qui dit? Tu l'entends, Molo? Oh! Bande de cons. Bon. Mais c'est quoi ça? Mais quoi c'est... ça, en fait? Mais je sais pas. Bon, ok, bon, bah, on va vous laisser vous amuser. T'as entendu? Non? Je sais pas, ça a parlé de chat, je sais pas quoi, là. Ah, d'accord. C'est les totems d'immortalité? Ok. Ça va, et toi? Regarde l'araignée! Fils de poulpe! Fils de poulpe! Tu l'as entendu ou pas? Fils de poulpe! Oh putain, je suis rouge comme une tomate là, attendez. Il faut vraiment que je règle cette caméra là. Attendez, parce que c'est pas possible. Ah là là. Mais ça, c'est du coup, c'est parce que j'ai changé l'éclairage. Bah ouais, là au cousin. Non, ça c'était bien. Ah, c'est mieux là. Hop. Let's go. Bon, c'est bon, ça suffit, on a compris. Bon, on fait quoi? On va à l'aventure? Est-ce qu'il y a des objectifs, des trucs qu'on n'a pas fait? On a fait... Il manque des enchantes sur mon stuff. Ouais, mais les enchantes, ça se farme avec les villageois, au final. Ouais. Et même... en fait, tu farmes les émeraudes et tu peux farmer les émeraudes avec les villageois. C'est un cercle vertueux, quoi. Et t'as des élytras, toi, ou pas? Oui, j'en ai. Ok, bah moi aussi du coup, pas besoin d'aller dans l'end, je suppose. En vrai, faudrait qu'on trouve genre des nouvelles structures, genre les trucs aquatiques, moi j'ai jamais fait. Ah ouais?
Et d'ailleurs, faudrait que je redemande au gars là qui nous a mis un. Qui nous avait fait un plugin, tu sais, pour rééquilibrer l'Ender Dragon. Faudrait que tu me dises quand est-ce que t'es dispo et on pourrait mettre ça en place. Pour faire des tests, il était chaud pour faire des tests. Attends, tu peux redire là un avec l'Ender Dragon de quoi un plugin pour rééquilibrer le niveau de l'Ender Dragon en fonction du nombre de personnes qui est à côté. Oh. Et le truc est prêt en fait. C'est stylé ça. D'accord, ouais, bah ouais, je suis carrément chaud. Il faudra juste faire des tests, bon pas ce soir, mais voilà. Ouais, on fait une petite maintenance, comme ça il n'y a personne qui peut sco, et puis voilà. Notre joke, fallait oublier le live. J'ai failli oublier le live. Bah normal Kiglir, j'ai pas forcément prévenu les gens. Ça fait 10 jours que j'ai et pas stream. Ouais Kiglir, sinon ouais Kiglir, ce soir nos problèmes, tu peux relier ta gare. Hein. Tout est prêt. Ouais, le pont de Victorieuse, je vais sûrement le réaménager parce que c'est vrai qu'elle a pas mis des barrières, ouais. Je lui ai déjà dit hein. Mais... Mais bon. Non, puis même il est enfin oula. Tu parles duquel? Celui qui est devant Zarkos ou celui qui est devant attention. La gare, au-dessus de la gare. bah celui qui est devant chez elle à côté de la gare. Oui, qui passe au-dessus de la gare, du coup, ok. Ouais. Ouais. Il y a des barrières, mais elles servent à rien. Et okay. Il est tout plat. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, est-ce que... Bro, est-ce que t'es chaud pour... Enfin, est-ce que tu penses que le vaccin, c'est une bonne idée ? Ouais. Mais d'ailleurs, deuxième dose aujourd'hui. Oh faut que je vous raconte. Attends. Faut que je vous raconte vas-y. Un truc. Première dose. Je suis un peu phobique des piqûres. Du coup, je le dis et ils me font. Bah, vous inquiétez pas, vous allez rien sentir. En fait, c'était déjà fait. Ils me font la piqûre. Ouais. Ils me font la piqûre et ah oui, en effet, j'ai rien senti. Ouais. Ensuite, ils m'emmènent dans la salle d'observation où il faut rester 15 minutes pour, ouais. Au cas où. Et effectivement, c'est une bonne idée parce que je commençais à avoir des sueurs froides et des vertiges. J'ai fait, ouais, la meuf, elle me pose des questions. Oui, vous êtes chez quelle assurance maladie ? C'est quoi votre fournisseur ? Je suis plus du tout. J'étais complètement pas bien. J'ai envie de vomir. Et puis, il me dit, oh là-bas, on va vous allonger, monsieur, et tout. J'ai mal supporté cette première dose. Et ouais. Là, deuxième dose, j'arrive, je leur dis, bon, écoutez, j'ai fait... je préfère prévenir. J'ai fait un malaise vagal à la première dose, donc je préfère prévenir. Ça risque de se reproduire. D'accord. Et c'est pas qu'ils me font la piqûre tranquille et tout. Je fais, ouais. Ils me font, oui, c'est bon, vous avez rien senti ? Oui, non, mais ça, là, il n'y a aucun problème, mais ça va venir après. C'est bon, et j'ai d'ailleurs, plus et là, j'ai... Et d'ailleurs, là, je commence à ressentir les effets et tout. Et je ressens exactement les mêmes choses. Je ressens exactement les mêmes choses, ouais. que la dernière fois, sauf que là c'est x2 quoi, donc en mode ouais je me sens partir, ouais. je suis en train de m'évanouir, je vous préviens. Et t'as là, fait carrément une projection là, astrale, c'est gros, ça gros blackout, ouais. Et je me souviens que je rêvais, ouais. Je me souviens que j'ai fait un rêve, hein. Mais je me souviens plus du rêve en question, mais je me souviens avoir rêvé. Et je me souviens je sais pas s'ils m'ont donné des claques, mais j'étais complètement anesthésié, j'étais complètement dans une autre dimension. Et je me réveille, devant monsieur, ça va, monsieur. Hein, quoi. C'est avec le bruit sourd là, le bruit sourd et les petites... Ouais, les... Ouais. Oh putain, les crêpes. Et du coup, j'avais une amnésie, je leur ai dit, je suis où là? Explosion! Ça va péter! Ça va péter! C'est quoi ce pack? Ça va péter! Ouais, enfin bref. Ouais, bref, du coup, bah, je me suis complètement évanoui hein, pour cette... Bah après, c'est pas encore... Enfin, c'était prévisible du coup, mais du coup, ça doit être, je sais pas, ouais. Je sais pas, c'est quoi comme réaction du coup, si c'est psychologique ou physique ? Non, pas du tout. Non, c'est physique là. J'ai senti le produit. Hein. Non, mais si c'était psychologique, j'aurais eu peur, j'aurais eu ces effets-là avant. Ok. Parce que moi, le fait de sentir le produit, je l'ai eu à la première dose, ouais. Mais ça m'a pas fait de malaise quoi. Mais je l'ai senti et la deuxième, j'ai pas senti. Ah ouais, bah moi, je me suis évanoui, quoi. Ouais, voilà. Non, bah c'est comment dire, c'est
ça dépend des morphologies, je pense. Hein. Ouais. Ça va péter. Choc un affilé, ça arrive, ouais. Est-ce que du coup, il y a des gens in-game là, il y a des projets en cours intéressants déjà à les voir un petit peu, à les yoter? C'est trop quoi. Ce pack. T'as fait quoi là? Ouais, il y a un mec qui parle de... Enfin, il gueule, je sais même pas ce qu'il dit. Non, Chronos. Voir la farm à raid. Alors, je l'ai vu l'autre jour, mais elle est pas aménagée, non? Elle est pas aménagée encore. Ok, dame évanouie. Pas mal, pardon. Oh, putain. Elle est belle. Elle est bonne. Bon, qu'est-ce qu'on se fait de beau? Vas-y, viens, on part à l'aventure. Objectif. Vas-y, viens, on part. On part. Objectif. Attends, avant de partir, faut que je dépose des trucs à la maison parce que je suis quand même blindé sur moi là. Est-ce que j'enchante mon stuff ou pas? Merci Sushi. Je sais pas. Merci beaucoup. À terme, t'auras plus besoin des enchantes de villageois quoi directement. Ouais. Donc en vrai, te sens pas. Je pense pas que t'aies besoin d'enchanter avec la table d'enchante pour l'instant, franchement. Eh, y en a un qui a utilisé ma forge du coup, j'avais ma forge là. Ça va chier. Ça va péter. Je peux voir qui c'est, hein. Ouais, je peux pas. Non, je peux pas voir. Faudrait que je la replace pour, je pense, pour voir l'historique. Ah. Je vais en refaire une, hein. Attends. Ah, elle est là, ma table de craft. Ok. Putain, ouais, c'est... Original, au moins. Original, tout ça. Il en faut 3, je crois, des blocs. Et après, j'ai pas assez de fer. J'emmène pas mes élytras, hein. On va dans le monde minage. J'y ai pensé aussi. Mais qu'est-ce qu'on fait si on meurt mollo avec nos stuff enchantés et tout? Sauf que j'ai bien fait mon script. Nous, admin, on se fait pas ban. Incroyable. Ouais, mais on perd notre stuff par terre et les gens peuvent le ramasser, non? Oui, ça oui. Ah ça, normal. Ça, c'est mon toit, ça. Je veux bien tricher un peu, mais pas trop quand même, ça va commencer à se voir après. Ça va commencer à se voir. Ah, non, attends, mais faut que je te raconte un truc là aussi. Lundi, j'ai ouvert le serveur, enfin la nouvelle map minage et tout ça, tranquille. Blocus, voilà. J'active pas. Bah, Blocus, oui, complètement. Il est dans l'histoire que j'étais en train de raconter. Ah bon, putain, bah décidément, Blocus. J'étais en train de tranquillement partir pour aller miner. Je me fais courser par Blocus et par Baptiste. D'accord. Mais sauf que j'ai pas activé mon PVP, du coup, ils pouvaient pas me taper. Ouais. C'est pas qu'ils m'ont coursé avec des seaux de lave, ces enculés, pour me fumer comme ça. What? Ils m'ont harcelé. Et du coup. Ah ouais. On va les défoncer. Bah, moi, je me défends avec ce que j'ai parce qu'ils sont à 2-3 sur un mec juste à peine stuff diable sans aucun enchant. Oh là là. Donc, j'en frise un, je le noie et du coup. et du coup, bah, les autres ils se cassent. Je croque un bout dans mon brick. Mais ouais, en plus, après, ils viennent me parler d'honneur. Ouais, j'ai pas d'honneur et tout ça parce que j'utilise mes commandes admin. Mais ils sont à plusieurs contre un et sur un mec no stuff. Essayant de parler d'honneur. Hein? Bande de sous-merde. Alors, il y a Grim, il dit c'est moi, c'est pas Blocus. Et après, il dit Friki l'activé, David Goodenhouse. Oh, bon, je m'en bats les couilles. Vous attaquez l'admin, vous en payez les conséquences, quoi. Normal. Les rails, je vais les foutre. Attends, je finis mon... Le pain est un peu dur. Paf. Ok. Non, mais après, techniquement, le saut de lave, oui, c'est autorisé. Au final, c'est une manière détournée de PVP. Mais oui. Des gens qui n'ont pas le PVP activé. Là, c'est sûr. C'est juste. C'est juste. Bon, bah, c'est pas ouf, quoi. Si ça n'avait pas été mollo. Pas ouf. Bah, la personne aurait passé un très mauvais moment. Allez, là, 3 dodo, non? Molo, tu penses qu'on pourrait faire une gare à la nation des creepers? Bah, bien sûr, Snem, fais une gare et relis-la au biome fleur si tu veux. Même si t'es à l'autre bout de la map. Ah ouais, hein. Mais vous faites ce que vous voulez. Il y a un truc que j'ai oublié de faire lundi, c'est agrandir la map.
Je l'ai fait. Oh. Ok. Je l'ai fait, je l'ai fait. Nice. Donc la map est agrandie. Nickel. D'ailleurs, tiens, je vais aller regarder la carte. Bah écoute... Au moins, c'est bien, les villageois, quand ils dorment, là, ils font pas chiche. Ah, oh, si tu veux, on peut aller dans le biome Messa. Si tu veux aller faire de l'explo un peu. Bon, je pense qu'ils ont, ils sont déjà allés tout piller, je suis sûr, mais bon. On peut quand même aller récupérer des blocs, si jamais. Ouais. Ok. Dommage que Jenny il soit pas chaud pour jouer. Ouais. Bah là, du coup, il faut qu'on prenne la mer, ici. Et après, on va passer par là, mais bon, j'ai la flemme de prendre les cartes, franchement, c'est trop chiant. Ok. On va prendre des bateaux, quoi. Ou alors, non, les Elytra, je suis con. Ouais, on a les Elytra, lol. J'ai tellement pas l'habitude de les utiliser. Pour moi, dans ma tête, les Elytra, c'est tellement sensible que faut pas les utiliser, sinon elles vont se casser. Mais bon, j'ai un breaking et mending dessus, donc... Non, pas moi. Ah. Attends, peut-être que si, en fait. Un breaking... J'ai solidité. Si, j'ai solidité et mending. Nickel, bah voilà. Mais j'ai pas de feu d'artifice. J'en ai 50, on m'en a filé un stack. Mais apparemment, maintenant, avec leur ferma creeper, ils ont des feux d'artifice à foison, là. Donc, je sais pas où est la ferma creeper. Et pour crafter crafter un feu d'artifice simple, c'est quoi déjà? Je vais regarder, mais... Feu d'artifice simple, ouais, je sais pas. Genre sans le folklore autour, là. C'est juste du creeper, gunpowder et du papier. Bon, c'est bon, le papier, on en a full. Où se trouve la farm à creeper, les amis? Dites-nous les coordonnées, on va y aller avec Molo, tiens. Et attends, je vais prendre du papier. Attends, non, je suis con. Bah, merci pour ton follow. Mais je vais éviter de prononcer ton... Ton blaze. Ton pseudo. Oh. Ton blaze. Un squelette. Attendez, il y a même plusieurs squelettes. Ils ont pas de son, les squelettes? Ah putain. Et le mec qui a créé le sound pack, je lui ai proposé un son, parce que j'aimerais trop le voir. Tu sais, le mec qui... Le vieux qui se fait interviewer, il dit... Ah mais moi, je croyais que vous aviez 18 ans. Ah. Ah ouais. J'ai dit, en son de zombie, ça serait parfait. Attends, qui c'est qui a cassé ça, là? Ouais. C'est un creeper? Y'a personne qui a réparé? Bon. Bande d'enculé. Ouais. Voilà. Ouh. En son de ghast, ouais, un truc comme ça. Mais je crois qu'en son de ghast, le mec, il a mis autre chose déjà. Il a mis un... Il a mis c'est un... C'est Quentin qui l'a fait, ce pack. Non, le sound pack là, c'est pas lui. Ah, il a récupéré un sound pack, le flemmard. Enfin, je veux dire. Mais non, c'est moi, c'est moi. En fait, je lui ai dit, je voudrais installer un sound pack. Chiche. Putain, merde, les villageois se réveillent. Je me casse. il a récupéré un. Enfin, je lui ai donné le sound pack que je voulais en fait, et il l'a intégré à son truc parce que du coup, il voulait que j'installe quand même son shader pack avec tout le truc quoi. Du coup, vous avez donné les coordonnées ou pas? Pas du tout. Moi, je te rejoins chez toi, Tensa, et là, puis moi, je suis prêt à partir, là. Creeper est où? Non, mais... Chiche. Bon, j'ai pas fait d'annonce pour les clippers, mais j'espère qu'il y a des clippers quand même, hein, ce soir. Je me tape un croc, là, en attendant. Ah, dommage, on ne voit pas la cam crier creeper, n'importe quoi. J'ai appelé mon chat creeper. Je l'ai appelé creeper. Je voulais dire Chronos, mais j'ai dû l'air creeper dans le... Chiche. Ouh. Bon, est-ce qu'il y a les... Faut vraiment qu'on se barre d'ici, hein, Tens. Oui, mais j'attends les coordonnées de la ferme, là. Mais il les donne pas, attends. Oh là là. Mais ça vient d'où, le chiche, d'ailleurs? Je sais pas. C'est un même TikTok. Jamais compris.
toujours pas une game là, je trouve pas l'écho. Oh non mais son deck. Comment? C'est près de la baie des brumes. La baie des brumes. Oui, mais c'est pas lui qui a inventé ça. Putain, je suis con, je peux pas. J'ai sauté mais je peux pas remonter. Ouais. Baie des brumes, c'est où? C'est ici, c'est près de chez. Ok. Ouf. Vas-y, viens, on va dans le Nether. On va passer par le Nether, on va aller à la baie des brumes. C'est chez Quentin? Non. Non, la baie des brumes, c'est chez. Merde, putain, j'ai plus le nom. Il est connecté ou pas? Ulrich, ça me revient, voilà. Ah bah voilà, ah c'est oui. Dans le chat. Et voilà, voilà. Je suis plus là. Merde, putain, mais je sais plus faire une épée, moi. De quoi? Tu fais quoi? Je suis à la gare, là, moi. Non, mais viens au portail du Nether. Ouais, j'arrive. Comment on fait pour avoir les élytras dans le dos? Je sais même plus comment on fait. Faut que tu mettes à la place du plastron. Viens, écoute, sans ah rentrer. Ouais. Nice. Allez, viens. Oh shit, here we go again. Oh shit, here we go again. Putain, mais fermez les portes! Ah d'ailleurs, il y avait quelqu'un qui s'était plein de griffes. Il y avait un griffe dans les Nether là, c'est réglé ou pas? Ah c'est réglé. En fait, c'était Oh shit. c'était Slime Guy. Oh, bah bravo Slime. Bravo. Mais je lui ai pas mis d'avertissement parce qu'il m'a dit qu'en fait, c'était déjà cassé et j'ai pas pu le contredire. D'accord. Donc du coup, c'est par là. Il me semble, attends que je dise pas de conneries. Non, attends, là on se dirige vers chez la NH. Attends. Quentin. Bah, normalement, on est perdu, là. Si Quentin est là-bas. Non, mais en vrai, bah, on n'est pas perdu, mais. Si là-bas c'est la NH, alors Kiglir c'est là-bas. Kiglir et la baie des brumes. Ah oui, c'est Harry Potter, c'est le fourche-langue. Oh là, ouais. Le plafond est un peu bas là. Ah donc là c'est le spawn, donc il faut aller derrière je suppose. Moi j'ai envie de voir les ghasts, parce que les ghasts ils font attention grenade dans la gueule. Attention les jeunes. Vas-y, j'ai juste envie d'en aggro un juste pour ça. Ils sont où là? Ok, ça va, les pygmènes ils m'ont oublié parce que j'en ai buffé un l'autre jour et puis j'ai regretté. Ah bah oui, bah par contre là on a pas d'or. Ah ouais, mais eux ils vont nous attaquer. Ouais, eux. Attends, ouais, eux ils nous a. Ou ils vont nous défoncer. C'est chez qui ça? On sait pas, on a pas d'infos. Vers si, le là. Spawn. Ah. Ah bah c'est ça, c'est ici, attends, c'est. Hein. Ah oui. C'est chez qui Glir, ok. Bon les ghasts là. Mais c'est où les ghasts? Définition du chiche. Le chiche est un terme pour montrer le fait qu'on apprécie le style vestimentaire de quelqu'un. On l'utilise notamment quand quelqu'un montre que c'est nous en lui répondant avec un chiche accompagné d'un chiche qui est accompagné d'un emoji qui a froid, un message textuel. D'accord. Bon, il n'y a pas de... Il n'y a pas de ghast là. Merci Urban Wiki Kuzai. Oh, j'ai trop envie de tirer une flèche là-haut. Attends, juste pour faire peur, je vais pas le toucher. Putain, j'ai pas mon arc. Putain, mais quel con. Ok. Bon, tant pis pour le ghast, à moins qu'on en fasse spawner un, mais bon, on va pas aller jusque là quand même. Hein, quand même. On pourrait à la limite. Hein. Donc du coup les coordonnées c'est -652 413, d'accord, merci Grim.
Attends, 600. J'en fais popper un, j'ai trop moins 600, ouais, c'est donc c'est ça, bah c'est près de chez eux, vas-y. Je vais suivre qui vient. Attends, je fais apparaître un ghast. Attention, tu le fais pop, hein. Ouais, je le fais pop ici, là. Attention les jeunes, grenade dans la gueule. Grenade dans la gueule. Attention, grenade dans la gueule. Attention, grenade dans la gueule. Oh, y'en a un autre derrière. Attention, grenade dans la gueule. Ah, ça, attention, grenade dans la gueule. Par contre, ils sont hyper forts, les sons, c'est horrible. Attends, option. Je voulais rien. Ouais, mais j'ai déjà réduit pourtant. Hostile créature, je l'ai mis à 25. Attention, grenade dans la gueule. Attention, les jeunes. Vas-y, on suit qui glire. Hop. Oh merde. Ouh. C'est chez Kiglir, bah Kiglir il nous emmène ailleurs là. Ah ça se trouve Kiglir il m'a dit suis-moi mais il m'emmène pas du tout à la ferme à Creeper, il veut me montrer une construction. Attention les jeunes. Oh putain. Attention les jeunes. Attention les jeunes. Ah bah je l'entends celui-là. Le P. Quel P? Le P. Non mais le P sur mon stream, le soundboard. Here we go again. Ah mais j'ai encore de la musique là qui tourne. Ok. Ah, attends parce que alors c'est bien. Ouais. Ouais. Mais les gars, bien, bien joué les gars. C'est de l'autre côté mais si on repasse, attends. Con, hein. Si on repasse, ça nous retp. Oh, non c'est shit. Bon. Here we go again. Ah non c'est nous qui sommes cons. Ok d'accord. Non mais moi je savais qu'on était du mauvais côté mais ça pareil. Ça je trouve que les TP maintenant ils s'induisent grave en erreur. À chaque fois je suis jamais du bon côté. Bon du coup la ferme à Creeper. Sympa ici. Eh ouais. C'est la première fois que je viens là. J'ai pas vu toutes les nouveautés au niveau construction. Je sais pas s'il y a eu des nouveautés d'ailleurs. Alors attends, du coup moins 600, et... moins 652. Alors, on est loin là en fait. Attends. T'as des fusées ou pas, Molo? Non, j'en ai aucun. Okay. Attends, tiens, je t'en passe un peu. Tac. Merci. Attends. Moins 600. Faut aller par où? Attends, moins 652, 413. Je vais utiliser la... Bah oui. Non, vas-y, on va se balader en Elytra, let's go. Waouh. Bon, c'est pas très beau avec le truc des coordonnées affichées, mais... Oh! Bah là, on est chez Kiglir. Ok. Attends, moins 600. Merde, je suis allé trop loin. T'es où par rapport 413. Au temple de ça? Je vois pas. Mais c'est dans l'eau? Attends, ah non, elle est là? Ah non, mais c'est des villageois, ça. Bah là, je suis chez Kiglir, là. Ok, j'y suis aussi. Je suis au niveau de. Comment dire le beacon rouge. Le beacon rouge. Ah, il y a quelqu'un qui a atterri à côté de moi. Je suis avec Exilas. Bah attends Exilas, on attend Molo. Normalement, il va falloir que tu traverses un pont. Je suppose que t'es là. Ouais, ici. Ouais, ouais c'est bon, ok. Alright. C'est le zeppelin au-dessus de la mer. Putain, vous avez fait un zeppelin pour la ferme à Creeper, franchement. Attends, je veux voir ça parce que. Franchement, si vous avez fait ça, c'est grave cool. Ah, attends. Le zeppelin. Ah, ouais, alors lui, il fout de là. Oh, c'est magnifique! Wouah! Wouah! Aïe! Oh, trop stylé! Ouais, et franchement. Ça, c'est ce qu'on veut, ça. Voilà. Voilà. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Oh putain, ça va péter. Wow. Merci, Dream Shiro. Ah, ouais. Péter. Péter. Bon. Bah, voilà. Ça, c'est génial. C'est génial. Attendez, je vais mettre.
Je vais mettre en spectateur. Je vais peut-être baisser encore le son parce que franchement c'est fort. Putain, c'est. Explosion ! Le truc c'est qu'après je vais plus du tout entendre les. Je vais voir comment c'est à l'intérieur, mais franchement si c'est. C'est là-dedans. Oh, franchement, c'est beau gosse. Franchement, incroyable. Ingénieux ça. C'est. Oh, ouais. Oh putain, mais en plus c'est huge à l'intérieur. Hein. Bravo Exila, bravo. Eh, franchement, beau gosse. C'est des fermes comme ça qu'on veut, les gars. Une ferme, c'est bien, mais aménager, c'est encore mieux. Regardez-moi ça, c'est une ferme à creeper, les mecs. Prenez tous exemple là-dessus. Lier l'utile à l'agréable. C'est... Non, franchement, c'est magnifique. Mais ouais. Incroyable. Ah, des fermes comme ça, nous, on en redemande. Hein. On en redemande. Franchement, c'est grave cool. Ça va péter. Ça va péter. Péter. Bon, du coup, les poudres, elles sont là-dedans, c'est ça? Ou il n'y en a pas encore? Ça va. Péter. Bon bah faut farmer de la poudre pour pour se faire des fusées. Mais attends du coup, attends, regarde dessous Tensa. Non ça va être en dessous là. Aïe. Ah, oui bah pas besoin de me taper, attendez je le cherche, il est où? Là-bas il y a cactus sûr. Emplacement à Shulkers. Mais je le vois pas, il est où? La gunpowder est dans la soute. Mais putain mais cassez-vous. Ah oui, attendez, j'ai oublié de lancer le bot pour les commandes. Oh non. Ok, c'est bon. Ça va. Allez, la souris, là. Okay. Pété. Pété. J'ai pas la rêve du pété. C'est un mec qui se filme. Il se filme et en gros, il proteste, quoi. Il dit, vous allez voir, ça va péter. Ok. Oh, tous les feux d'artifice. C'est bon, les commandes fonctionnent. Attends. Où ça? Dans le shulker? Ouais. Ah ouais, let's go. Hop, merci bien. Moi j'ai pas demandé. Hein. Oh, Cimer, merci beaucoup, Spartus. Prends-en même 3. Allez, faut pas me le dire 2 fois, moi. Hop les. Oh non, mais non. Allez, là, la soute, j'avais pas 3. Vu. Ah ouais. Ok, j'avais pas vu qu'il m'allait dire prends même 3. Okay. Ah ouais, incroyable. Salut, Bouda. C'est beau ça. Le lien Google Drive, alors non, c'est un lien méga, mais demandez à Quentin direct. Mais au pire, je ferai une commande plus tard, mais pas là. Putain, incroyable. Incroyable. Bah, du coup, attends, j'ai du papier, moi. J'ai du papier. Ça va péter le papier. Je vais crafter des fusées. Et je vais leur en donner. Ah, mais ouais, en fait, c'est. Oh, mais c'est full pété le craft. Non, mais c'est bon en vrai, gros, mais mec. Un stack de poudre de creeper et un stack de papier, ça te fait 3 stacks de fusées. Ah ouais. Attends, je lui remets, hein. Bah, du coup, au final, c'est moi qui lui en donne plus que j'en ai pris. Vas-y, je vais garder ça quand même. J'en garde. Ok, 2 stacks de plus. Non, en vrai, c'est full easy. Bon, bah, nickel. C'est parfait ça. On va pouvoir voyager sur toute la planète avec nos élytras. Let's go. Donc du coup, on va au... j'ai pris un petit shulker au cas où. Vas-y, attends. Vas-y, en vrai, ça me fait trop. Je remets. Ça va péter. Attends, vas-y, je mets... Hop, là-dedans. Il faut qu'on se dirige au nord, Molo. Ok, au nord. Donc viens, on va sauter à l'avant, on va faire le... Enfin non, du coup c'est l'arrière. C'est l'arrière. Pété. Oh, il pleut. Ouais. Hop, petit weather. Hop, ni vu ni connu. Hop là, oh bah dis, oh bah... Oh bah il fait beau d'un coup. Allez. On dit merci Sinclair, non je suis tombé. J'arrive. Allez, go vers le nord. Je vais essayer de voler un peu plus bas pour profiter du... Même si ça charge en même temps que j'avance. Ok. Oh la vitesse. Ouais. Oh, c'est joli ici, c'est chez qui? Oh, mais on est à la nation des creepers ici. Ah, je t'ai perdu moi. Bah, j'ai continué vers le nord. Là, il y a le continent, il y a une grande forêt, des bambous. Bah, moi j'ai une forêt de sapins. Et oui. Surtout, accessoirement, la map qui se charge pas quoi. Ah oui, ok. Et on va au nord jusqu'où? Oh putain! Bah tout au nord, c'est nord-ouest, à fond nord-ouest. Ah oui, ok.
Donc si t'as des coordonnées XZ à peu près équivalentes, tu vas en diagonale. Je vais rage quitter le live à cause du soundpack. Non mais c'est bon, c'est éloigné. Ça va péter. Ah, normalement, je suis bientôt arrivé. J'arrive à un biome mushroom, moi. Ouais, je suis un peu plus loin, du coup. Ah, tu m'as rattrapé. Ah bah oui, parce que je t'ai attendu à la nation des creepers. Je suis en train de voir du glacier et je me demande si c'est les bonnes coordonnées, mais techniquement, oui. Oui, c'est là. Ok, j'ai. Elle est buggée l'animation des zombies, non? J'arrive à un océan. Je suis à la frontière, merde. Ah oui, glacier. Ah voilà, ok, j'y suis. Ah ouais, la frontière, elle est vraiment collée au biome Mesa. Hein. Ah bah moi, je suis pas à la frontière. Attends, je te rejoins. Je sais pas où t'es. J'arrive, t'inquiète. Mais tu sais pas où je suis. Bah t'es à la frontière. Du coup, je suis pas loin. Ok, je la vois, la frontière. Ah ouais, c'est full blanc avec le texture pack. Ouais. Coucou, je suis là, je suis juste à côté. C'est bon, tu peux atterrir. Oh putain, ça pique les yeux. Ouais. Ah, du coup, j'entends plus les zombies limite à cause du fait que j'ai baissé le volume. Putain, mais il en spawn par milliers. Attends, c'est une terre sauvage. C'est plus un live là, c'est un cirque, mec. C'est plus un live là, c'est un cirque. Quoi ? Attends, c'est en faisant quoi que t'as eu ça ? Je crois que c'est en ayant un level up ou je sais pas, je suis pas sûr. Oh merde ! La chatte à ta mère ! Ah, terrible. Oh putain de merde. Bon, il y a quoi à faire en particulier dans celui-là? Parce que c'est un nouveau biome, nous on connaît pas trop, mais est-ce qu'il y a des... Ou alors c'est un biome comme les autres, mais c'est juste les blocs qui sont différents. Bah, je pense que c'est ça. Hein. Est-ce qu'il y a des gens, ils ont besoin de blocs venant de ce biome-là pour des projets? Ah, je crame. Oui. Bah, j'ai pas l'animation de feu. Ma chérie. Non. Que je te chope des... ces blocs jaunes là. Ah oh, putain les... Je sais pas trop ce que c'est, je crois que c'est de la mayonnaise. Eh mollo, viens. Vas-y. Attends. Toi, t'es où? Attends, bouge pas. Attends, on a des blocs ou pas? Attends, je prends de la terre un peu. Putain. Mets-moi les deux dans l'œil, chacal. Attends. Ok. Merde, putain, mais ils font chier là. Mais je me prends quoi? Des flèches? Ok. Attends, vas-y, viens. Regarde l'Enderman dans les yeux. Mais toi, tu veux quoi, toi? Écoute, toi, tu veux quoi, toi? Toi, tu veux quoi, toi? J'ai rien fait, c'est bon, lâche-moi, là. Putain, c'est chiant, faut régler à chaque fois. Oh putain! Oh les bruits! On voit rien? Comment ça vous voyez rien? Qu'est-ce que tu racontes? Faut oui! Non, c'est la connexion! C'est la connexion qui fait pixeliser! Ah! Et quand on tape un villageois alors qu'il y a un golem à côté, le golem il arrive et il fait qui c'est qui a touché à Dorian. Il fait quoi? Il vient, il fait qui c'est qui a touché à Dorian. Là c'est dommage, on n'a pas de PNJ.
Nid de golem d'ailleurs. Oui, nos élytras sont enchantés, oui. Bon, du coup, il y a personne qui a besoin de quoi que ce soit. Ok. J'étais pas obligé d'utiliser une fusée, je suis un connard. Aïe. Oh, serait-ce une grotte ? Ah mais. Non. Attends, je chope un peu de moutarde. Moi, il y a Grim qui nous suit. Putain, on peut pas jouer juste à deux là. Ah oui, le cochon, c'est Peppa Pig. Ok. Alors, c'est de la terre cuite jaune. Ça t'intéresse ? Ok. Ah oui, c'est de la terracotta. Ah ouais, d'accord, ok. Il lui faut quelle couleur ? Elle aime bien le jaune, c'est sa couleur préférée, donc je lui prends de la terracotta jaune. Ah putain, mais le jaune en plus, t'as vu, c'est couche par couche. Le jaune n'est pas tout de suite... Et notez comment je ramasse les blocs, hein. Ah ouais, j'ai trop envie d'aller récupérer du sable pour leur montrer comment on récupère du sable. Ah, t'es là. Grim, c'est un simp, ça se prononce comment, ça ? J'ai jamais su. Simp. Mais je sais pas ce que ça veut dire. Ouais, c'est quoi ? Je pense que c'est un retard, non ? Je sais pas. Je sais pas. Ah, regardez, un truc que vous pouvez faire aussi. Bon, en fait, non. Ah non, j'allais dire, vous pouvez le faire, mais là, sur la terracotta, c'est pas évident. J'allais dire, tu peux creuser la terracotta et remplacer par une autre texture, genre de la terracotta rouge, mais le truc, c'est que la terracotta, ça fait toute la couche, en fait. Donc, c'est impossible de faire ça proprement. Ouais. Enfin, c'est trop compliqué. Ou alors, là, je remets ça. Moi, je vais en prendre de la orange, là. Et la orange, on peut en prendre proprement, ici. Ah non, c'est du sable, ça. Oh. Vas-y, moi, je vais prendre le sable, parce que, apparemment, c'était... Oh. Ça avait l'air d'être assez demandé, aussi, hein. Attends, parce qu'avec ma pelle, ça va chier. Bon, là, je vais sur le petit boudil. Ça te fait penser à la vallée de Gerudo, le biomouchu ? Ah ouais, un peu. Il y a une grotte ici, si tu veux. Ah, nice, j'arrive. Donc, regardez comment on récolte proprement. Je vais le faire que sur une couche, mais... Et encore, là, c'est particulier, parce que c'est juste sur une montée. Voilà, là j'ai récupéré le sable. Il y a ça qui reste. C'est moche. On voit bien que quelqu'un a terraformé dessus. Donc on retire ça. Et ensuite, normalement, je dis normalement parce que moi je connais pas assez bien le biome pour savoir si on le voit souvent, mais genre là, faudrait remplacer les blocs de terracotta par de la cendre rouge, quoi. Après vous dites, mais c'est pas rentable. Bah c'est pas grave, tu fais ça. On enlève une autre couche. Ah mais en fait... La couche en dessous, c'est vraiment genre la même, en fait. En fait, c'est impossible, ce que je viens de dire, là. Avec la terracotta, en tout cas. À chaque fois que je prends un bloc de sable, en dessous, il y a... T'es tombé. Ah, quoique, si, quand même. Au bout d'un moment, si, en fait, on peut quand même. Ça sera quand même rentable. Mais c'est quoi, ça ? C'est vraiment... C'est du sable ? Ouais, c'est du sable rouge, donc je sais pas ce qu'on en fait. Mais ça doit être utile. Voilà. Là, admettons, j'enlève tout ça, la terracotta. Je vais essayer de remettre du sable par en dessous. Je pense que ça va quand même être un peu rentable. Parce qu'il y a des blocs de sable que j'aurais pas besoin de remettre vu que j'ai déjà miné au-dessus, en fait. Je sais pas si vous comprenez. Attends, c'est une grotte, ça, ou... Aïe. Ouh. Ah non, c'est pas vraiment une grotte. C'est un peu une grotte, mais pas trop. Je suis déjà full là. C'est un tunnel. Starfall là. Je suis déjà full là. Oh le putain. J'ai eu de la chance. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Tsuki qui a marché sur mon PC portable. Ouf. Du coup, il aurait pu appuyer à tout moment sur arrêter le stream. Et du coup, là, tu... Bah, j'essaie de... de terre cuite. Bah, non, j'essaie surtout de voir si je peux aménager le truc, récupérer du sable et aménager proprement malgré tout. Ça va péter. Péter.
Alors, c'est pas du tout rentable. En fait, je vais quand même avoir un excédent de sable, mais ça sera pas très très rentable. Là, c'est vrai, pour le coup, pour la terracotta, c'est moyen. Oh. Mais en tout cas, pour le sable normal... Est-ce qu'on a respiré sous l'eau ou pas ? Je crois, oui, moi j'ai l'enchantement, ouais. Ah, moi je l'ai pas. Ah. On n'a pas une citrouille ou un truc comme ça ? Ouais, fais attention aux gens qui te proposent des citrouilles, parce que souvent elles sont maudites. Bah, ça je le verrai bien si elles le sont, hein, mais... En fait, là, il y a une grotte sous-marine, juste là où on est, en fait. Mais non. Y a pas genre un Minecraft musique but et là je vais voir ce qu'il me propose. But. Ok. Maintenant je veux voir un truc. Est-ce que ici... Ouf. Ah ouais, non, mais là, c'est full terracotta, en fait, c'est sans fin. Oh, du Luffy ouais. Minecraft. Du c'est Luffy bien, Minecraft. Oh, putain. On va voir ce que ça donne. Est-ce que je peux aménager un peu, genre, comme ça, je montre un... Enfin, je laisse un peu de terracotta. Et ça peut faire bien, quand même. Après, ouais, je pense, ça se trouve, là, je vais pas avoir assez de sable. Après, c'est peut-être aussi parce que j'ai... ma pelle elle prend plus de sable plus rapidement. Mais j'ai passé plus de temps sur le minage de la terracotta que l'autre. Bah là pour le sable oui, pour le sable rouge en tout cas ouais c'est quasiment ça quoi. Mais il me semble que je vais avoir un petit excédent quand même. Hein. Mais c'est pas rentable, je suis d'accord avec vous. Mais si vous récoltez du sable, bah faites attention avant de le récolter quoi. Et voilà, un excédent de 19 sables. Ouais t'inquiète. Attends, là il y en a encore. Là. Le temps que tu l'écrives, je l'avais déjà baissé. Tac, voilà. On a un truc à peu près potable. On peut même récupérer le sable qui est tombé dans la descente et faire un début de descente ici en terracotta. Ok, je sais comment faire pour que je puisse te suivre sous l'eau. Je vais juste faire des portes. C'est toi qui es moche, Grim. Ça va péter! T'as pas de table de craft sur toi, je suppose. C'est pas grave. Alors attends, il est où On reçoit des flèches là. Ah, il y a Grim là-bas. Alors, c'est qui le pote à Grim Non, c'est qui le pote à Grim Keko là. Je sais pas. Qui est un pote connecté. Non, mais TP le au pif chez quelqu'un. HTP Grim Yaro. Bisous Grim. Ouf. Bisous Grim. Techniquement, il a dit je suis venu pour du sable rouge, mais là, on dirait qu'il a fini. TP-le sur moi. D'accord, ok. HTP Grim Exébile. Voilà. En plus, il commençait à faire des conneries chez Yaro, donc voilà. Je te transmets la patate chaude Exébile. Super le cadeau. Il a TP alors que j'étais sur un clip. Ça va péter. C'est pour ça le malade mental dans le chat, j'avais pas compris. Ok. Si tu veux du bois et des portes, si tu veux, il y en a là. Ok. Bon, en vrai, hein, du coup, ouais, le sable rouge, c'est compliqué hein, quand même à miner proprement.
Ouais, non, c'est dégueulis dégueulasse, là. Aïe, 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 aïe. Faudrait que je descende au moins jusqu'au bout et après que je remplace toutes les textures, mais ça va... Ouais, non, ça, là, pour le coup, là, je vais vraiment perdre des ressources, là. Bon, au moins, j'ai de la terracotta pour ceux qui veulent. Bon, au moins, c'est bien parce qu'il n'y a pas besoin de farmer de la clé. Du coup, moi, je savais pas que c'était de la terracotta, mais on peut garder la clé pour les briques. C'est, ça, c'est un colis Amazon, ouais. Je t'échange de la terracotta, du sable rouge contre des patates cuites. Bah, écoute, si tu veux, ouais. Si t'as besoin. Moi, j'ai pas besoin de terracotta. À la base, nous, on vient ici en explo pour voir un peu ce qu'il y a. Je suis parti dans la grotte sous-marine. Ok. Il va commencer à faire nuit, là. Enfin, il fait nuit, d'ailleurs. Il y a un Enderman là. Erreur-moi dans les ailes. Je crois que c'était l'Enderman ça. Regarde-moi les yeux dans l'œil, chacun. Je viens de comprendre la phrase. L'Enderman, quand il est statique, c'est une phrase de Kobalade qui dit regarde-moi dans les yeux, chacun. Oh putain. Tiens, il s'est pas cassé. Les yeux dans l'œil, voilà, les yeux dans l'œil. Oh putain. Il est où mon shulker? Ah, je l'ai pas reposé? Enfin, je l'ai pas repris? Il est où? Je l'ai laissé en haut? Oh, ça c'est pratique ça. Vas-y, je vais laisser ça ici. En vrai, je vais aller rejoindre Molo et je ferai ça plus tard. Voilà, je suis en train de miner de l'or sous l'eau, là. Ah oui, il y a du charbon. Charbon, ça part assez vite, en plus. Mais à quoi affinité? Moi, j'ai pas l'impression que je puisse respirer, là. Ah ouais? Ouais, enfin attends, ça fait quoi? Genre j'ai mes bulles d'air là, ça... À quoi finit-il? Ça va moins vite? Ou je vais quand même prendre des dégâts là? Ouais bon, fais une place. Ouais. Attends, je tape un coup dans mon Twitch là. Ma chérie, regarde le chat. Y'a Snell qui te pose une question. Ah oui, tu peux commencer si tu veux, Snell. À quoi affinité tu mines comme à la surface? Ah, c'est trop bien ça. Ouais. Ça c'est pratique. Bon allez, je reprends ma porte moi. Hey. Hop. Bah t'es gentil mais... Bah du coup là je vais mourir. Attends. Mais non. T'inquiète. J'ai une petite place chacal. En vrai, après, je peux prendre les... Ouais, il y a quand même besoin des portes, quoi. Putain, j'aurais dû prendre une de tes portes, là-haut. Au secours! Ça doit y être encore, non? Ouais, mais remets-en une vite fait. Tiens, 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 tiens. Bah oui, mais alors, attends, 9 totems, j'ai pas envie place, de... Lâche une place. Même si j'ai 9 totems d'immortalité, je vais pas les gaspiller en me noyant, quand même. C'est débile. Ça serait mieux que je les garde si je me fais vraiment buter. Par un truc que je peux pas éviter, tu vois. J'ai dit que tu pouvais commencer, Snell. Tu peux commencer sans elle. Nice, la porte est toujours là. Donc ouais, on peut prendre les minerais avec Seal Touch et on va dans le monde minage et puis on en récupère un peu plus, quoi. Ouais.
Sauf si je l'avais pas désactivé, Seal Touch. Non, c'est pas ça. C'est Seal Touch sur ce serveur-là. Ah oui. On Seal Touch ici. On ramène les minerais dans le monde minage et on mine le minerai en essayant d'augmenter nos chances, quoi. Ah ouais, toi, tu bidouilles, toi. Bah, c'était... Tu contournes notre propre serveur, là, en fait. Mais non, c'est fait exprès comme feature. Ça incite aussi un peu plus à aller sur le monde minage. Mais en vrai, ça rapporte assez peu par rapport à une fortune, tu vois. Mais... Oui, c'est sûr. Par rapport au taux, ça peut être intéressant, tu vois, genre au moins d'en avoir un tout petit peu plus. Ah, c'est mieux qu'une torche, là. Je serais peut-être mieux de reprendre la porte. Et on peut mettre Aquafinity et respiration sur le même casque ou pas? J'ai entendu un zombie, il y a une grotte pas loin. Ah, vas-y. J'arrive. Bon, il n'y a pas d'accès à une éventuelle grotte par l'eau. Donc faut creuser, ouais. La surface, hein. Ça serait marrant. Bah je crois, parce que là je fais que remonter là. On est trop profond pour que ce soit. Mais ça se trouve tu remontes, mais fallait descendre. Bah, attends, j'entends à droite là, un squelette. Oh, du fer. Let's go. De l'or, bah nickel. Bah yes. On se rapproche. L'or, let's go. Je me sens lésé d'être derrière. Excuse. Bah attends, mais on n'a pas pu les entendre d'aussi loin. Ah ouais, pas bête. Ouais, non mais en plus moi je les ai pris en Seal Touch, du coup ça nous en ferait un peu plus. Mine en parallèle, ouais, j'avoue. J'ai trop envie d'aller dehors là, juste pour vérifier, mais... Je vais repercer la poche d'eau. Ah bah j'ai trouvé. Oh là là, viens. J'arrive. Ok, hop. Beau gosse. Ok, attention, ça va péter! Péter! Attends. Faut miner les trucs au-dessus de leur tête, ça va leur faire des dégâts. Oh putain, ouais, c'est huge ici. Ouais. Merde, j'ai plus de torches? Ok, bon, attends, va falloir que je fasse des choix là. Je jette ça. Péter! Ok. On a un autre en dessous là. Vas-y, on reste. Je vais me le fumer à la mano. Petite musique douce pour un moment de stress. Ça passe crème. On peut descendre ici. De toute façon, je vais faire un escalier. Pourquoi j'ai de la roche sur moi là? Je sais pas, gros. Ah, mais je suis con si mes torches elles étaient dans ma main. Je suis un connard. Ok. Bon, ça marche aussi, c'est bien. Ça va péter.
Alright. Ah. Okay. La limite. Et là, il y a du diamant juste derrière. Ah, c'est... Et putain, mais il y a de l'or, du charbon et du cuivre juste derrière la frontière. Oh merde. Ah bah, il y a là aussi. Putain, mais waouh! L'or, charbon et cuivre ensemble, quoi. Le combo gagnant. T'as la frontière là? Bah, ouais, je suis pas loin là. Ok. Allez, je jette ça là. Bah, les couilles. Hop. Ah oui. Ah, ah, bah, non, ça c'est un autre or encore. Ah. Ok. L'almen. Oh, Kazoo qui me. Let's go. Le qui me raid. Merci beaucoup. Merci Kazoo. Ça s'est bien passé ton live. Putain, oui, il y en a partout. Non, mais ton live indie. C'était sur quel jeu? Merde, faut que je gère des trucs là. Faut que je fasse un choix. Hop. Le choix est vite fait au final. Voilà. Moi, je pense à un moment donné, je vais faire un petit aller-retour à la maison. Et comment? En Elytra. Ah bah oui. Et désolé, je te host. Je vous trade, mais mon raid a pas voulu partir. Ah. Ah bah c'est dommage. Bah c'est pas grave. En vrai, ça revient au même. En vrai, c'est bien avec Seal Touch plutôt que... Parce que là, du coup, avec Seal Touch, je peux encaisser plus de stock de minerais, du coup. Salut Madara. Comment ça va? Bah ouais. Bomb has been defused. Bien. Alors, s'il y a un archer, je suis mort. Il y en a un, ok. On va voir si je vais mourir. Ok. Ça va péter! Pardon. Là, et maintenant, je l'ai dans la tête, quoi. C'est, ouais. C'est fini. Attention, ouais, bon, attention, arrive, hein. MLG Dream. Oh là, vous êtes pas prêts, les gars. C'est la soirée du bug, Kazoo. On va dire ça. Il y a des soirs comme ça. Counter, hein. Terroriste, enfin, moi, ouais. C'est quasiment tous les soirs comme ça chez moi, mais... Oh, ça va un peu mieux maintenant. Oui, un peu mieux. Moi, ça va un peu mieux ce soir. Ah bah oui, comme ça, il a son nouveau setup là. Let's go. Il a un nouveau setup, mais il a plus d'argent sur le compte en banque. Faut faire un choix. Ouais. Jouer ou manger, jouer faut ou... choisir. Jouer ou manger, il faut choisir. Une poêle à la chatte à ta main. Qu'est-ce qui te fait rire? La voice line de l'araignée. Une poêle à la chatte à ta mums. Hop, hop. Putain, mais il dit quoi, ta mums? Une poêle à la chatte à ta mums. Je suis en train de faire un poêle. Je suis en train de faire un poêle. Je suis en train de faire un poêle. Alors, si Twitch fonctionne, on sait que c'est de ta faute. Allez, je vais essayer de pas faire bugger la cuisinière. Des bisous en live. Bon, bon courage, hein. Fais pas glitch la cuisinière. Explosion. Ou alors t'essayes de dupliquer de la bouffe. Là, ça peut être bien, là. Je suis Spider-Man, fils de pute. Je suis Spider-Man. T'as un pseudo ou pas? Bah là, je suis dans le pseudo, là. Ok, faut que je m'enfuis. Oh putain. Moi, j'en ai un, attends. Ah, y a trop de mobs là où j'étais. Ah bah ils tombent tous dans la crevasse là, enfin dans le petit trou. C'est de la lave ou c'est un reflet là-bas? Ah, y a de la lave et un reflet, y a les deux. Comment t'expliques que tu as un sandwich et de la Oula. Boisson à côté et en plus t'es en train de jouer? Bah écoute, un sandwich, c'est pas ce qu'il y a de plus cher, c'est pas un vrai repas, tu sais. Ah, explosion! Ah bah t'es là où j'étais en train de combattre des mobs, je suis juste au-dessus de toi en fait. Oui bah tout ce que tu peux m'aider si tu veux. Si je suis remonté, c'est pas pour rien. Ça tire d'où? Je me fais sniper, je sais pas d'où. C'est bon, tu te fais plus sniper parce que je crois qu'il était juste là en fait. Ah si, là. Ah ouais putain, il y a la masse là. Oh derrière, oh la vache. Je suis Spider-Man. Fils de poulpe. Ok, faut torcher. Ouais, faut torcher.
Ah, un slime. Ça, c'est bien, ça. Je crois que c'est les premiers slimes que je vois sur le... Enfin, en tout cas, de cette année-là. Tintin. Ça va. Attention derrière toi. Fils de poulpe. Oh la vache. Faut que je mange. Je suis le HP là. Oh ah ouais putain l'animation de... Je suis infecté. Oh merde, je crois que je t'ai donné une droite. Attends, faut que je récupère de l'eau. Il me semble qu'il y avait de l'eau là. C'est bien ça les larmes de ghast ou c'est de la merde? Les larmes de ghast oui mais on les a pas eu là. C'est pour, tout à l'heure. Est-ce que je peux le virer ou pas? De l'alchimie. Bah c'est pas que c'est rare mais c'est compliqué à farm quoi. D'accord, bah c'est en vrai mec quoi. Je pense que je vais aller faire un tour à la maison et je vais reprendre des shulkers. J'en ai aucun des shulkers moi. J'en ai un là-haut et j'en ai un à la maison. Ok, merde, j'ai tout le monde veut le garder. Ouais, faut garder. Hein. Attends, terracotta ça dégage. La dirt ça dégage. Le bois je peux en faire des sticks. L'andésite. Et merde, putain, je ramasse ta merde. Merci. On a pris trop de fusées. Hein. Hop. Ouais, j'avoue. Ah, t'as acheté des fusées? Oh non, vas-y, gros, jette pas les fusées. Vas-y, donne-moi les trucs, je reviens. Donne-moi tout ce que tu peux. Et en je vrai, reviens. J'avais pas... Ou alors tu viens avec moi, on rentre à la maison. Et au pire, on repart à l'aventure de manière plus proche. Oh putain, la gueule, t'es full flèche. T'as plein de flèches dans la tête. Ok. Attends, mon staff, il est comment d'ailleurs? Ouf, ça va. On va dire que ça va. Ok, vas-y. En vrai, on peut revenir là. Hein. Ouais, on peut revenir après, éventuellement. C'est quoi ce biome? C'est Messa. C'est des biomes de la 1.18. Le Messa, je crois que c'était déjà là avant, non? Non, mais je parle de... Il parle des nouvelles grottes, je crois. Hein. Ah. Je suis Spider-Man, fils de poulpe. Alors, le musée, à quoi il commence à ressembler? Ouais. Pourquoi pas, éventuellement. Bah, c'est sur le chemin, donc... Ok, bon, c'est bon, alors. On va aller voir. Fallait remonter de l'autre sens, non? Hein? Non, c'est là? Ah non, non, j'ai rien dit. Là, on redescend, puis... Ah, tu veux repasser par la grotte marine? Bah ouais. Tiens, j'en profite. On aurait pu... Ouais. Je pensais pouvoir respirer, mais non. Vite! Il y a une porte là-bas. Ich! 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 Laisse-moi de la place, laisse-moi de la place. Vas-y. Sinon, le PC, le Tencent est en train de cramer. écoute, j'ai ouvert le capot! Je vais regarder, attends, je vérifie juste qu'il n'y a pas de mob. Ouais, c'est nouveau, ouais. Qu'est-ce que je peux jeter là-dedans? Oh, les armures en or, je m'en fous. Applaudis pourquoi? Oh, bien joué. Le PC va beaucoup mieux depuis que j'ai ouvert le capot et qu'il y a la ventilo juste devant. Donc, ah, ouais, t'en es là. Ça va mieux. Ouais, non, mais en fait, j'ai peut-être eu peur pour rien. Mais bon, j'ai préféré ouvrir. Voilà. Ok, bah let's go. Putain, c'est vrai que j'avais gardé les élytras, moi je suis un connard. Bah direction 00. Du coup, on part en diagonale dans cette direction là-bas, ouais. Si on part bien en diagonale, on devrait arriver tout pile. Ouais, t'as terracotta. Bah attends, je vais en 00 là, tortue. Je sais pas où tu es toi, mais... C'est de toute beauté, c'est de toute beauté là, regarde, hop les...
tellement satisfaisant d'utiliser des Elytra quand même. Ouais. Par contre, la map qui se charge pas, ça, ça... C'est moins satisfaisant. C'est moins satisfaisant parce que tu sais pas si tu vas te prendre un arbre ou pas. Oui, j'ai vu les effets sur les armures, ouais. J'ai vu le petit relief. Et dites-vous que j'ai configuré le serveur pour forcer la distance de chunk à 6. Hein. Sinon, ça l'agrée encore plus. Hein. Je vous ai fait un petit serveur aux petits oignons, quand même. J'espère que t'as mis de la salade tomate aussi. Ouais, mais sans oignon. Sans oignon. Ça me fait penser à ton TikTok, là, avec Maxence. Ah oui, les Turcs. Oh avec les worms. Attends, ça serait pas la ferme à... Ouais. La ferme à raid ? Le truc qu'on avait vu l'autre jour. C'est le bâtiment à côté du spawn, ça, je crois. Ah, attends, ok. Ah ouais, là, il y a le phare. Ah, mais attends, mais on n'est pas allé trop loin ? Ah non, pas encore, non. Ok. On est bientôt arrivé au spawn, là. Ah bah, c'est là, le spawn, c'est bon. Ouais. Ok, ok, ok. Oh, sympa ici. Tu es où ? Le spawn... Ah, je suis au spawn, là. Ah, c'est mignon aussi, ouais. Le spawn, là, vous avez aménagé des petites rues et tout, c'est sympa. Ah ouais ? Où ça, les petites rues ? Bah, juste derrière, là, regarde. Enfin, des rues, des chemins de bois, quoi. Regarde, ici. Ah ouais ! Oh ! C'est sympa. Aux couleurs de la Jamaïque. Oula, ok. Oula. J'avoue que le spawn, c'est très nationalisé. Hein. Il y a drapeau belge, il y a drapeau suisse. J'ai pas fait d'accent, t'inquiète. La Jamaïque ? Ouais, la Jamaïque. La Jamaïque. Bon alors, le musée. Show me the musée. Ah, oh, c'est au spawn et tout. Mm-hmm. Et red. Enfin, re. Et normalement, on doit aménager notre coin, Molo. Parce qu'il a fait des pièces pour chaque... Mais ne serait-ce pas qu'Azizril ? Ne serait-ce pas... Je le reconnais. Isis qu'Azizril, avec le petit papillon, là. Waouh ! Ah ouais, avec les reflets au sol, là. Oh, avec le shader, oh là là. Ouais, ouais, c'est beau, c'est beau. C'est beau. Bon, il n'y a personne qui a volé les trucs ici, pour l'instant. Mettez-vous en F1. Ah bah oui, en F1, c'est de toute beauté. Ah oui, je suis en F1. Ouais. Là, on est sur RTX, là, c'est bon, là, c'est prêt. Des rues, c'est de la terre. Bah, c'est des rues quand même, connard, putain. Ah, c'est propre, c'est bon, propre. Et du coup, il sert à quoi, cet endroit ? Bah, c'est un musée, ça sert à visiter. Et regarde, okay, ici, normalement, on est censé... Dans chaque box. Ouais, on pourra claim, tu vois, genre NH, et puis après, nous, on pourra aménager, construire pour mettre un truc à... représentatif de chez nous, tu vois, genre nous c'est le biome des fleurs, donc on pourrait aménager un petit coin fleur avec des sortes de constructions qui rappellent chez nous. Dont un warp, pourquoi pas, ça serait marrant. Ou alors des rails, je sais pas. Mmh. Alors, franchement, juste la phrase, ça donne la réponse à pourquoi, enfin ça donne la réponse à ta question, Grim. Grim, il dit, si ça aurait été un autre viewer, il aurait pas dit connard. Okay. Bah oui, les autres viewers, ils disent pas aurait été, donc... Avec le son. Bah, le son. Ouf. Ah, oui. Oh putain. Ah, faut que je règle quand même le micro là. Je me suis entendu saturer là. Pas ouf. Attends. Pourquoi il y a eu le bruit de la Wii là ? De la Wii ? Où ça ? Ça fait. Ah, je sais pas. C'est peut-être que toi de ton côté. Oh, des blocs volants. Non, non, non. Oh, un début d'île là. Qui c'est qui est là ? Oh. Il y a pas de nom, mais bon. Salut, je bitouille. Il est tard, flemme de bien écrire. Non, mais gros, le fait d'être fatigué, ça te rend pas demeuré non plus. Dis-le que tu savais pas. Mais non, mais à quel moment tu fais des fautes de français que tu savais pas ? Genre, c'est juste que tu savais pas. Tu savais pas le dire, quoi. C'est tout. Oh putain, les villageois là. Ok. Bon, je garde tout ça pour aller le farmer dans le monde minage. Là, ça va être propre encore, ça.
Donc tortue, qui a... tortue, si t'es pas loin de chez moi, tu peux prendre la terracotta. Et faudrait que je te vois, quoi. Bon, diamond chest plate. Mon dieu, la vue apocalyptique. Ok. Après, Quentin, lui, il a une version du shader où il a les lumières avec les vraies couleurs, genre les torches de Hudson sont rouges, les lanternes bleues sont bleues, etc. Bah, moi aussi. Nous, les reflets sont de la bonne couleur. Quand t'as mis un message dans le chat, Tensa. Ah, merde! J'ai pas vu. Attendez. Putain, la musique calme avec des le lofi, c'est un peu. Alors, qu'est-ce qu'il a eu dans le chat? Ça pour attaquer côté de sable rouge, je dois déco, alors faudrait que tu me la déposes. Pour te servir une patate cuite dans les fumoirs dans les cou-